La nouvelle bateuse hashtag 1 qui va dominer Warzone 2, c'est plus la Sakine, c'est plus la RPK, c'est plus la RAL, c'est bien la Icarus. Avec ça, vous allez faire râler vos ennemis. Sur Ashika Island, les mecs ont aucune chance. Regardez ça. Oh la catastrophe, Ada! Oh, oh, ça m'a... Oh, attends, quoi? Je suis mort. Et bah le fade m'a servi parce qu'il a cru que j'avais pu partir là-bas du coup. Ça y est, il me fait le pyromane. Oh, nice Joe! Nice Joe, t'as super bien entendu Joe! Bien vu Joe! Il me jump dessus, il me court dessus, y a pas un son frère. Putain de jeu de merde. Il est bien le TTK du jeu, hein. Il est bien. Hein. T'as la classe Thibaut? C'est bon ça. Et Zeus, j'ai l'impression que t'as pas relié ton compte parce que t'as pas l'emoji couronne là. T'as ton pseudo. En tout cas, Apache lui il a réussi à lâcher son prime. Merci l'Apache, bien vu frérot. On va lui faire une petite surprise si jamais y a un mec qui descend par là. Les pistolets sont plus forts que nos armes, vraiment, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que les mecs niveau 20, qui jouent pas au jeu, et qui ont une aim assist surpuissante comparée à tout le monde, se baissent en revenant de... En revenant, simplement. Après, en vrai de vrai, je vois pas vraiment où est le problème. Parce que c'est quand même bien donner sa chance à tout le monde, n'est-ce pas? Hein, ça va. C'est le mec de tout à l'heure ça les gars, non? Jury, c'est pas le mec de tout à l'heure ça? Bah, je confonds je crois. En tout cas je suis viseur fixe et il a failli m'exploser. Ok, pas mal. Fais mal la Icarus là hein. Attends mais quoi? Je suis en train de voir que t'es pas encore abonné à la chaîne secondaire. Mais qu'est-ce que t'attends? Et qu'est-ce que t'attends pour liker la vidéo? Arrête de faire le radin, c'est gratuit. Sauf si je fais comme hier et que je commande pas le dernier match. Vas-y, hier j'étais dead. Putain de ta mère, fais-moi jump, je vais... Putain, je t'en supplie, le jeu de merde. Ça me fait changer d'arme. Oh, j'en ai marre de ce bug aussi, ça me brise les couilles, le jeu. Il a pas de masque à gaz, il m'en veut charbon. Prendre Red Bull pour ce soir. Trop calorique frérot. Ça prendra des cafés sans sucre. Ah le mec est resté sur le top hein, avec son snipe de merde là. Auto. Y'a la zone. Pro. Oh. Eh le TTK il est vraiment court hein. Allez j'avoue. Je sais plus quoi faire le frère.
Y'a aucun son, frère. Aucun son, on dirait qu'il a un Dead Silence, le type. Il a pris son colis à gauche, le mec. 3, 2, 1. Oh, je triche, hein. C'est trop grave, hein. La vision de jeu à gros maloc, hein. Un KGA sur le corps. Bien vu, frérot. C'est quoi la Code League? C'est la compétition sur Call of Duty en 4v4. Je précise bien Call of Duty et pas Warzone. Oh, je suis à mon prime. À mon est prime. Kill. Oh, je t'ai vu. Ça fait deux fois que je mets mon ping, j'arrive pas. Il s'enlève instant. Non. Ok, une balle. 22 kills, il reste 22 joueurs. Tu te trouvais plus fort sur Warzone 1? Bah bien sûr, frérot. Alors déjà, au clavier souris, t'as le recul visuel qui te pourrit ton aim, t'as l'input lag de Warzone 2, plus... Voilà, en vrai ça va dans cette game, j'ai pas mal d'FPS, mais sur Warzone, sur Amazra, j'ai 120 FPS parfois. Et puis surtout, bah... l'aim assist a encore plus été boosté sur Warzone 2, hein, donc... bien qu'on s'en plaignait à l'époque de Warzone 1. Mais alors là... bâtard. Enfin, Warzone 1, en fait, on se plaignait du rotationnel aim assist, pas de l'aim assist. Là, on se plaint vraiment de l'aim assist, plus du rotationnel aim assist. Vraiment, ça cumule. Du calme. Là, tu me fais des jumps, là. Tranquille. L'arme est trop forte, les gars. L'arme est trop forte. Pas besoin de ta classe, en fait, Thibaut. La mienne est très bien. L'animation qui dure 35 ans, frère. Oh, sur Warzone 1, il suffisait de cliquer une fois pour que ça marche. Hein. Où je crois que j'étais mort. Oh, la dinguerie, j'ai cru que j'étais mort. Merci le TTK, oh merci le TTK qui est super bas. Bonjour et bonsoir, merci frérot pour le kill. Merci l'arbalète qui a pas connecté dans ma tête aussi. Oh la chatte que je viens d'avoir. Les gars, je vous ai cook un banger là. Je vous ai cook un banger. Un bouffon. Oh, j'ai du mal là. Prendre bombe. Est-ce 4 joueurs, les gars. La classe hashtag 1 de HK Island. Ça tire à droite là. Hein. Je peux arriver, non? Oh my god.
Oh. Ilias 0934 qui vole ma game avec l'attaque M du sol, niveau 131. Oh l'enculé. Le type joue avec l'arme la plus à chier du jeu, il m'a explosé en fight. Le shoot à Huskers. Pitié, pitié, push le stop. Oh oui, oh oui, oh oui. Ah oh, mais c'est quoi ça? Ah ouais, on est plus sur Warzone 1. Hein. On est plus sur Warzone 1, putain. Bon, à présent que la classe t'a mis l'eau à la bouche, on passe aux accessoires. Alors, en canon, vous allez mettre le F-Tac Cold Forge. Vous allez mettre en moins 0,30 en bas et en plus 0,40 à gauche. Comme ça, vous allez viser plus vite et avoir moins de recul. On poursuit avec le Cronan Mini Pro. Alors, j'avoue que j'ai testé pas mal de viseurs. Je suis resté sur le Cronan Mini Pro. C'était de loin, pour moi, le plus efficace sur Ashik Island. On l'équipe comme ceci. Moins 3 en vis accéléré au maximum. En bas, on laisse à 0, on ne touche pas. Ensuite, le chargeur, la poignée arrière cross, on n'en met pas. Munition à haute vitesse pour vraiment avoir une bonne vélocité, que ça parte super droit. Test des balles au maximum. Recul faible pour en avoir encore moins. Et ensuite, on enchaîne avec la F-Tag Gripper, cette fois très précisément plus 0,32 en bas et plus 0,34 à gauche, comme ça vous avez moins d'oscillation, moins de recul visuel. On termine avec le Harbinger D20, vitesse des balles encore une fois accrue au maximum, recul faible également, comme ça vélocité au max, recul faible, vous allez voir, de toute façon vous avez déjà vu, la classe c'est une dinguerie. Je trouve qu'elle vise beaucoup plus vite et elle est beaucoup plus mobile. Alors allez, vite tester ça avant que ça soit patché.